Hommes politiques, représentants syndicaux, artistes et anonymes, ils étaient nombreux ce matin sur la place Saint-Nicolas à venir apporter leur soutien à RCFM qui entame son 21e jour de grève. Une radio qu'ils ont parfois vue naître et qui a souvent rythmé leur vie. Je l'ai connue quand elle a commencé en 1980, avec Petroumar et d'autres. J'ai participé à des Dioustres, des Joutes, c'est intervillage, interlycée, Dioustra Paysanne, Dioustra Lycéane. C'est une radio avec qui j'ai vécu. Une grève d'une durée record à RCFM et dans tout le réseau Radio France. Alors pour renouer avec les auditeurs, le personnel de la locale de Bastia a voulu cette rencontre festive aujourd'hui et le choix de cette date n'est pas vraiment un hasard. À Paris, en ce moment, se tient un CCE et notre président, Mathieu Gallet, est en train d'expliquer aux salariés de Radio France, dont nous sommes, son projet. Il nous semblait important, à l'échelle de la Corse, de manifester notre soutien à tous les grévistes du service public. Car à l'échelle nationale, 300 emplois pourraient être supprimés. En Corse, un poste de technicien est toujours menacé. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. En attendant la suite des négociations, les programmes sont toujours perturbés et la grève se poursuit.